Admirade. Bonjour Philippe Vandel. Comédien avec de multiples talents, théâtre, cinéma, également guitare flamenco, comment dire, sans les mains, quand vous faisiez des personnages sur la chaîne Comédie. On vous a vu dans Bienvenue chez les Ch'tis ou encore dans un genre plus sombre, Baron Noir, peut-être la meilleure série politique française sur Canal+. Et votre actualité immédiate, c'est une pièce, une comédie autour de l'amitié. Elle est signée Amanda Sterz et David Fuenchino. Ça s'appelle Ami au pluriel. Ça avait démarré en mars au théâtre de la Michaudière. Bien démarré. Plutôt bien. Réservation blindée pour 2 mois. Et puis, le confinement arrive. Mais on est au théâtre. Elle est sortie côté cour, elle revient côté jardin. Ami revient. Oh, vous attendez pas à celle-là. Elle revient en direct à la télévision. Ça sera lundi, le 15 février à 20h30, depuis le théâtre de la Michaudière, sur MyCanal et sur le site Canal VOD, vod-canalplus.com. Je donne tout ça parce que c'est très important. Faut être précis. Comment s'est née cette idée de la faire en direct à la télé ? Alors, elle est née d'abord. Il était question de faire une captation, comme on dit, c'est-à-dire de la filmer pour à l'époque, enfin pour toujours d'ailleurs, pour C8 et Comédie Plus. Mm-hmm. Il sera toujours question de. Attention, il y a votre masque qui touche le micro. On n'est pas habitué à ces masques. J'ai mis un FP2. Il a un masque FP2. Bah oui, écoutez, un direct, c'est on peut pas changer. Voilà. Donc il faut faire attention. Non, mais au-delà de ça, faut faire attention aux autres aussi. J'en profite. Enfin, du parenthèse. On en parlera après, justement. Oui, bon, on peut en parler quand vous voulez. On devait faire une captation. Ensuite, Canal est arrivé au théâtre en me disant écoutez, on a peut-être une autre solution à vous proposer. Ça serait de la jouer en direct pour lancer le nouveau site donc de la VOD en direct de Canal+. Donc, on sera le premier événement en public et de divertissement sur l'application MyCanal, sur Canal, sur Canal+ VOD, comme vous avez dit. Exactement. Sur Canal VOD. VOD-canalplus.com. Voilà. On dirait un sketch avec Krasuki. Alors, juste un mot sur ce site. Il n'y a pas besoin d'être abonné à Canal+. C'est accessible à tous. Non, bien sûr. Les réservations sont ouvertes depuis ce matin. Vous savez combien ça coûte ? 11,99€. Donc on va dire 12€, mais pas par personne, par 99, foyer. 11,99€, ouais. C'est 11,99€, ouais. Mais c'est par foyer. Et on peut inviter ses amis et être 4 ou 5 devant la télévision. Pas plus de 6, hein, vous savez ça. Gros dispositif, j'ai lu que ça serait presque filmé comme un match de foot. J'exagère, mais il n'y aura pas 2 caméras, c'est pas au théâtre ce soir. Il y a 8 caméras. En fait, c'est l'intérêt, c'est aussi pour cette raison que j'ai accepté cette idée de le faire en direct avec Canal. Parce que Canal sont assez coutumiers du fait, d'ailleurs ils ont pas mal innové dans le domaine du sport. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est rien de le dire. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours cet accès un peu différent au théâtre. On aura évidemment une caméra qui sera le plan large, comme si on était au théâtre. Vous serez un peu comme dans la salle de théâtre. Vous serez au théâtre, mais on a innové cette fois en faisant promener des caméras en coulisses, pendant les changements de costumes, pendant les changements de décors. Comme c'est un décor qui bouge pas mal. Oui, on pourra se retrouver vraiment... Non, attendez, on va pas vous voir en calbut en train de vous changer. En caleçon, pardon. Et pourquoi pas? En fait, en calbut. On dit encore en calbut en 2021. Non, mais oui, évidemment, non. On va essayer de préserver un peu d'intimité, mais c'est vrai que vous avez des moments au théâtre où, par exemple, avant qu'un comédien rentre sur scène, on se demande ce qu'il fait, en fait. Donc il est vraiment derrière le décor. On va y voir Claudia Tagbaud, notamment. Et Gérard de Sarre, puisque vous en parlez, dit qu'il n'a pas passé une représentation sans, avant de monter sur scène, vomir. Oui, il y en a. Jacques Brel aussi, par exemple. Non, mais dans la pièce. Ah non, personne ne vomit dans la pièce. Non, vous inquiétez pas, on vomit pas. Ben non, sinon on n'aurait pas accepté que les caméras soient derrière. Mais enfin, c'est vraiment un procédé. C'est-à-dire que vous pourrez choisir, c'est un peu comme le mode expert pour ceux qui connaissent pour la Formule 1, le foot, par exemple. Ou pour la Formule 1. Voilà, pour être vraiment avec nous derrière. Le contenu de la pièce, qu'est-ce que ça raconte? Comment? Bande annonce. Bonjour, je m'appelle Serge. Je suis originaire de la Creuse. C'est une très belle région où on trouve le plateau de Mille Vaches et où on mange de la flognarde. Une sorte de clafoutis délicieux. Je suis à la recherche d'un ami sincère pour rire, échanger et boire du blanc en terrasse. J'ai des milliers de conversations qui ne sont pas encore sorties de ma bouche. Si tu es intéressé pour devenir mon meilleur ami, contacte-moi. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis banquier d'affaires. J'habite à Paris, capitale économique de la France. Je ne sais pas ce que je fais sur ce site, j'ai pas besoin d'amis. J'ai assez de boulot comme ça. Contactez-moi. Bonjour, je m'appelle Martine. Mon mari travaille beaucoup et moi j'adore faire la cuisine. Voilà notre petit chien adoré, Petit Pois. Rendez-vous à la Michaudière. On a entendu les voix de Lionel Abelanski. Il y a un an, ça. Ouais. Et de Claudia Tagbaud. Vous êtes 3 sur scène. C'est les mêmes personnages, évidemment. Ah, toujours. Qu'est-ce que ça acteurs. Raconte? Qui est Pierre, votre personnage? Alors, Pierre, c'est un banquier d'affaires. C'est un homme d'affaires qui est très occupé, qui n'a pas vraiment le temps d'avoir des amis, en gros. Il est très occupé dans ses affaires. Et il va croiser sur son chemin cet homme qui est incarné par Lionel Abelanski, qui se prétend être son meilleur ami, parce que grâce à une application, ça a matché. Ouais. Tout concorde. Évidemment. J'adore, c'est Amitique. C'est la version amicale de Mythique. Exactement. Donc, évidemment,
Il désire me rencontrer, j'accepte de le voir, je ne sais pas pourquoi il veut me voir. Il m'apprend que je suis son meilleur ami, sauf que comme il a fait des enquêtes très poussées pour être mon meilleur ami, il connaît un peu aussi tous mes défauts, tous mes travers, et il en sait un peu trop sur moi. Donc finalement, ça devient un chantage, parce que moi, je ne veux pas être son ami, mais il dit, moi, par contre, maintenant, je connais beaucoup de choses sur vous. Donc il décide de se faire inviter à la maison. C'est comme ça qu'il rencontre ma femme, Claudia Tagbo. S'ensuit après, évidemment, plein de péripéties, puisqu'il y a forcément un switch, comme vous pouvez imaginer, comme dans les bonnes comédies. Ouais, il sait tout, et il y en a une autre qui sait tout. C'est Hélène Manarino, elle arrive, le portrait inattendu de Kate Merad. Encore dans un instant sur Culture Média.